Salut à tous et à toutes, et on se retrouve pour ce LMDC du mois de février. Alors ce mois-ci, j'ai vu 27 films, un petit peu moins que le mois dernier. Il y avait les vacances, enfin je sais plus, mais voilà, Mais bon, 27 films, c'est quand même pas mal. Ce mois-ci, j'ai rajouté un petit truc, c'est que les mois précédents, je ne parlais jamais des films que j'avais visionnés, mais que je connaissais déjà et que j'ai dans ma vidéothèque. Là j'ai changé, c'est-à-dire que je vais parler des films que j'ai vus pour la première fois, mais je vais aussi parler des films que je connais déjà bien, et voilà. On a deux ce mois-ci, donc ça va. Et voilà, on va commencer tout de suite avec le premier film que j'ai vu le 1er février, c'était Mange tes morts, de Jean-Claude Huet, qui est un film sur la vie de gitan, et voilà, c'est tout. Alors là, on rencontre déjà peut-être un premier problème que j'ai à dire. C'est que ben, le film raconte pas grand-chose. On va suivre juste un gitan et son frère qui vient toujours. Et son grand frère qui vient tout juste de sortir de prison. Alors le petit jeune commençait à mal tourner. Et le grand. Voilà, il sort de prison, mais malgré ça, il n'est pas forcément. Il a appris un petit peu de la prison, mais il est encore très, très violent et il serait prêt à recommencer s'il le fallait. Les parents tentent d'éloigner le petit frère du grand frère parce qu'ils n'ont pas envie que leur enfant replonge, enfin leurs deux enfants. Et voilà. Dit comme ça, ça peut être très intéressant, mais ça, c'est vraiment le tout début du film, et en 20 minutes, c'est fait, c'est l'exposition. Le film doit faire à peu près 1h30, je l'ai en DVD là-bas, on me l'a prêté. Voilà, le synopsis, le scénario, très vite, il va s'essouffler, et on va arriver dans quelque chose où il ne se passe plus rien, très très rapidement. Et pourtant, vraiment, le film donnait vraiment... bien au début, il était vraiment super, c'était une très belle introspection dans le monde des gitans, des gens du voyage, à la fois avec leur vice, on va dire, le vol, le fait qu'ils sont pas très travailleurs, mais après on l'accepte parce qu'on comprend qu'ils sont pas mauvais foncièrement et que c'est... ils ont quand même des règles, et même si c'est leurs règles, et voilà, qui sont principalement la famille en fait. C'est voilà, donc ça c'est assez intéressant. Mais le film, dans la seconde partie, il n'y a plus rien en fait. Ils vont juste partir en voiture, ça va déraper, ils vont se faire poursuivre par les flics. Il y a une scène finale qui est très intéressante, dans laquelle on voit cette solidarité de famille. J'en dirai pas plus. Mais voilà. La seconde partie est très longue, enfin il y a beaucoup de longueur, et pour un film d'une heure et demie, il me semble, ça fait un peu long. Voilà. Après, je dois avouer que la photographie est pas mal, très réaliste, hein. Mais il y a 2-3 scènes, notamment la scène finale qui est de nuit, où là on a vraiment travaillé une mise en scène qui s'éloigne un peu du réalisme, avec des lumières bleutées, avec la nuit, les sirènes des voitures de police. Voilà, un film très moyen, que je ne déconseillerais pas parce qu'il est intéressant, mais voilà, c'est à découvrir, mais c'est pas une bouse, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ce mois-ci, j'ai vu Ex Machina de Alex Garland, donc je dois avouer que je l'avais loupé, premièrement, et puis de toute façon, c'est vrai que les films sur les robots, sur les intelligences artificielles, déjà ça me passionne pas, et j'en ai déjà vu tellement en fait, car nombre de grands réalisateurs ont déjà parlé de ça, donc comme je me fais souvent toutes les filmographies des réalisateurs, on a déjà eu ça dans 2001, l'Odyssée de l'espace, dans AI, Intelligence Artificielle, y en a d'autres, j'en ai pas en tête, mais Eva récemment de Kike Mayo,
Bref, il y en a énormément. Et ça ne me passionne pas déjà. Et surtout, je dois avouer qu'en fait, il y a iRobot aussi, je pense vite fait. Ça parle toujours des mêmes choses finalement. Et c'est... Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, le film rajoute un petit truc ou a une vision assez différente, mais à part... non, je vais rien dire avant de dire une connerie. Mais c'est vrai que Ex Machina est différent des autres. Mais les autres sont toujours aussi différents en fait. Ils apportent juste un tout petit truc qui fait que ça change et on trouve ça que c'est, on trouve que c'est original. Malgré ça, je trouve pas que le film est original comme tous les autres en fait. C'est trop fait, on en voit trop des films sur l'intelligence artificielle. On a compris que les robots vont se révéler, je sais pas quoi, ce qui est possible, hein. Mais voilà, là on est plutôt du côté. On s'attache pas trop aux robots dans celui-là, c'est plutôt. Le créateur, quelles sont ses ambitions, pourquoi finalement est-ce qu'il veut faire ça. Et voilà. Alors, premier gros point qui est vraiment incontestable là, c'est la photographie. Voilà. Pour le premier film d'Alex Garland, qui à la base est un scénariste, notamment de Danny Boyle, La Plage, que j'aime beaucoup, Sunshine, je crois. Que j'aime pas, et 28 jours plus tard, que j'aime pas non plus. Donc Alex Garland, pour son premier film en tant que réalisateur, au niveau de la photographie, c'est vrai que c'est assez étonnant. Souvent les scénaristes sont pas très à l'aise avec ça finalement, quand ils arrivent à la réalisation, mais là c'est très réussi, elle est très très belle. Elle change, elle donne une vision très, on va dire, à la fois on a en fait on a cet univers très technologique avec beaucoup d'inventions, très très futuriste, tout ça, très blanc, très chromé, et à l'extérieur on a une grande forêt. On aime beaucoup ce contraste là, et au niveau des couleurs, de la photographie, ça appuie vraiment cette idée là et j'ai bien aimé ce côté là. Le second gros point, c'est les acteurs. Donald Gleeson, qu'on voit partout en ce moment, je vais parler de lui deux fois dans cet épisode-là. J'en avais parlé déjà le mois dernier avec Star Wars. Oscar Isaac, d'ailleurs, qui joue aussi dans Star Wars. Je vais faire parler d'Oscar Isaac, il me semble. Ouais, dans Sucker Punch. Voilà. Donc, voilà, au niveau de ces deux acteurs, c'est vrai qu'ils jouent excellemment bien. J'adore Oscar Isaac. Donald Gleeson un peu moins, mais il joue très très bien, hein, mais voilà, j'aime moins le bonhomme. Après, c'est vrai que, encore une fois, j'ai pas été emballé par le récit en fait, c'est principalement mes goûts personnels qui rentrent en jeu ici. Ça m'intéresse pas vraiment, je l'ai déjà vu plein de fois et j'ai pas été emballé par l'histoire, même si je dois bien avouer que le personnage d'Oscar Isaac était plutôt très intéressant. Comprendre son personnage, à la fois cet homme machiavélique, faux et tout ce qu'on veut. J'ai bien aimé le retournement de situation à la fin, j'aime bien la fin, mais voilà, le film ne m'a pas plus emporté que ça, ne m'a pas plus, j'ai pas surkiffé tout simplement. Beaucoup de gens l'ont adoré, bah, moi pas tant que ça. Mais c'est un bon film, mieux que j'ai plus apprécié que Mange tes morts, je me suis laissé devant ce film. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé des longueurs, on va dire. Mais j'ai jamais été emporté par le film, et ce qui en fait un film pour moi plutôt moyen. Mais je vais me pencher un petit peu sur Alex Garland, parce que avec La Plage ou 28 jours plus tard, il n'avait pas fait que des films de science-fiction. Donc peut-être que ça peut me plaire. Et clairement, vu que sa mise en scène et sa réalisation, il y a du potentiel, ça c'est certain. Dans la réalisation. Ce mois-ci, j'ai vu Un homme très recherché d'Anton Corbijn. Anton Corbijn,
j'avais vu son film, je l'ai pas vu, j'ai vu aucun film de lui. Il y a son film Life qui est sorti il y a quelques mois de cela déjà. Il me donnait vraiment envie ce film, mais j'ai jamais eu, il passait pas dans mon cinéma. J'ai essayé de le choper en téléchargement, il n'y était pas encore. Mais vraiment, rien que l'affiche, l'histoire me donne envie, la bande-annonce me donne envie, la photographie me donnait envie. Donc du coup, comme je trouvais pas de film, je voulais quand même visionner un petit peu son cinéma. Je me suis replié sur un de ses précédents succès. Donc j'ai pris Un homme très recherché. C'est un peu ce qui m'est arrivé le mois dernier avec, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur, qui a réalisé Les Brasiers de la Colère. C'est-à-dire que son dernier film, Black Mass, me donnait envie, il ne passait pas dans mon cinéma, du coup je me suis replié sur un ancien film. Et pour le coup, les deux, je les ai pas aimés pareil. Je les ai regardés en entier, mais les films ne m'ont fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de longueur, je restais toujours là, c'était pas genre les longueurs qui me font arrêter le film parce que je n'en peux plus, je peux plus tenir. Mais le film ne me fait ressentir aucune émotion, vraiment rien du tout. La photographie qui avait l'air tellement belle dans Life, là elle est très moyenne, j'aime pas trop ce style. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, je ne connaissais que l'affiche et j'avais vu juste les notes. J'ai juste pris un film comme ça au pif. Je savais pas que ça parlait de terrorisme. Je savais juste qu'il y avait Philip Seymour Hoffman dedans dans un de ses derniers rôles. Déjà, on sent hein, quand même que ça sent la fin, j'ai trouvé. C'était peut-être 2-3 ans avant qu'il meure, mais vraiment, ça se sent. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce film, ça va être exactement pareil que dans les Brasiers de la Colère le mois dernier. J'ai pas du tout apprécié ce film. J'ai rien trouvé de bon dans ce film, le propos peut-être est intéressant. Mais pas tant que ça finalement. Je saurais vraiment pas quoi dire sur ce film là ce mois-ci. C'est un film que j'ai regardé et que je ne conseillerais pas vraiment, c'est un film que j'ai pas aimé du tout. Je l'ai regardé jusqu'au bout, mais comme je vous le dis, ouais, c'est un film sur le terrorisme, voilà, je n'aurais rien d'autre à vous dire dessus. C'est un homme bizarre qui arrive, c'est à Hambourg il me semble, et on pense que, enfin des gens pensent que c'est un djihadiste qui viendrait faire exploser une bombe à Hambourg, et on suit un petit peu cette enquête. Le truc qui aurait fait que ça aurait été bon, moi j'aurais vu le film comme ça, c'est qu'ils auraient dû faire un truc à la Police un petit peu, le film que j'avais vu il y a quelques mois de cela. Un Police dans la Police antiterroriste, ça j'aimerais bien, mais la façon dont c'est filmé un petit peu, je trouve, c'est une enquête un peu à la Jason Bourne. En tout cas, moi j'ai vu que le premier Jason Bourne, sans les scènes d'action, hein. Mais sinon la façon de filmer à la Greengrass, très réaliste, j'aime pas du tout. Voilà. Je passe. Ce mois-ci, j'ai vu Un 32 août sur Terre. Alors celui-là, vous ne connaissez sûrement pas ce film. Vous connaissez sûrement son réalisateur, Denis Villeneuve, qui a sorti Sicario, Prisoners, Amis. Bon, plus besoin de le présenter. Tous les mois, je regarde un film de lui. J'avais vu Sicario, Maelstrom, le mois d'avant, il me semble. Alors, Un 32 août sur Terre, c'était encore avant Maelstrom. C'est son deuxième ou troisième film. Je crois qu'il a fait Cosmos avant, je n'ai pas vu. Il avait fait un autre documentaire avant. Donc voilà, ça, on va dire clairement que c'est son premier vrai film avec un budget, même si à l'échelle du Québec, quoi, c'est une production québécoise. Les acteurs, je ne les connais pas non plus, enfin voilà, je ne les connaissais pas. L'histoire est très atypique. Une femme qui a un accident de voiture, qui se rend compte à quel point ben, la vie elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Elle se rend compte qu'elle a 26 ans, presque la trentaine, qu'elle n'a pas de copain, qu'elle n'est pas mariée, tout ça. Et elle veut un enfant. Donc elle demande à son meilleur ami de lui faire un enfant, qui
qu'il n'aura pas besoin de faire le père, elle s'en occupera tout seule, toute seule. Et pour ça, lui, il est pas vraiment sûr de vouloir le faire. Donc il dit, ok, mais on va le faire dans le désert, du Nouveau-Mexique, il me semble, en tout cas aux États-Unis. Et voilà, donc, histoire totalement loufoque. J'ai bien aimé la façon dont ont été traités les personnages. Il y en a que deux, hein, c'est la fille et le mec, je ne sais plus leur pronom. Leur relation est très intéressante, la façon de... J'ai bien aimé le fait qu'elles comprennent que ben, la vie elle peut s'arrêter à n'importe quel moment et que ben, y a plein de choses qu'on n'a pas fait, il faut prendre conscience de ça. Après, c'est vraiment très spécial, enfin... En fait, si on accepte cette idée-là, enfin... C'est pas spécialement spécial, mais c'est juste qu'on se dit, mais... Enfin voilà quoi, pourquoi le mec il accepte déjà? Pourquoi dans le désert? Enfin il y a plein de questions qui me restaient sur les lèvres. On n'a pas besoin de savoir hein, pour comprendre le film. Hein. C'est juste assez spécial. La réalisation, bon, on voit que Denis Villeneuve il n'était pas au sommet de son art. Hein. Même si je dois avouer qu'il y a des plans au niveau visuel qui sont assez jolis. Après je trouve que la caméra était assez dégueulasse avec lui. Il devait avoir vraiment un petit budget parce que donc c'était dans les années 80, non 2000, c'était les années 2000, hein, mais voilà, la caméra elle fait, je sais pas, c'était des gros grains vraiment pas très beaux, même dans les années 2000, on faisait des films mieux quoi, il y avait le début du numérique, donc voilà, mais il y a des plans très jolis, notamment le désert, un plan de taxi dans le désert que j'ai bien aimé. L'accident est bien filmé aussi, mais le film est très court, il n'est pas non plus incroyable. Les acteurs, bon, alors moi l'accent québécois il a tendance à un petit peu m'insupporter, mais voilà, je suis passé au-dessus. Donc voilà, le film est assez sympathique, mais encore une fois, c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir la filmographie entière de Denis Villeneuve. Et je suis en train de me rendre compte qu'autant il y a des réalisateurs qui ont de l'intérêt à visionner toute leur filmographie, autant lui, c'est vrai que ses films ils sont très, très différents quand même d'un film à un autre. Après, c'est vraiment le genre de réalisateur, tu te demandes, quand tu regardes des réalisateurs, tu peux voir leur évolution, et tu peux toujours trouver du plaisir à regarder même leur premier film. Là, en vrai, c'est le réalisateur, j'ai l'impression un petit peu que je me force à les regarder parce qu'il ne me donne pas spécialement envie. Après, j'ai regardé ce film, c'était cool, je ne regarde pas du tout, hein, mais voilà. On voit une évolution quand même dans son travail. Je trouve que 1,32 août sur Terre, Maelstrom sont assez, assez similaires. Après, il tombe dans quelque chose d'un peu plus glauque avec Polytechnique. Il y avait pas mal de glauque au début, mais c'était très social, on va dire. Il aimait beaucoup travailler ses personnages. Polytechnique, c'est le mélange entre le crime, le meurtre, qui va plus le fasciner plus tard, et le social. Après, avec Incendie, tout le reste, il rentre dans vraiment à partir de Incendie et les trois films qu'il a fait après. Là, vraiment, on entre vraiment dans quelque chose. Si on aime, on sera toujours content de visionner, même si j'ai pas aimé Sicario. Hein. Mais voilà, je me rends compte que je suis pas si fan que ça de Denis Villeneuve. C'était un film plutôt sympathique, hein, 32 août sur Terre avec ses qualités. Mais j'ai pas été emballé non plus. Parce que aussi c'était ses premiers films et qu'il n'était pas vraiment au sommet de son art. Ce mois-ci j'ai vu Australia, le troisième, quatrième film, je ne sais plus, de Baz Luhrmann. Un réalisateur que j'aime beaucoup, enfin que j'apprécie plutôt pas mal, il me restera qu'un film de lui à voir, c'est Ballroom Dancing, son tout premier film. J'aime Moulin Rouge, j'aime Gatsby, j'aime Roméo plus Juliette. Et Australia, c'est le seul le petit vilain, petit canard, on va dire. J'ai pas trop aimé, encore, comme d'habitude, avec Baz Luhrmann, j'ai aimé son esthétique. Sa photographie, la façon dont
l'univers de l'Australie, j'aime bien. Et avec son univers mélangé, ça donne plutôt bien. Mais c'est plutôt au niveau des longueurs, de l'histoire d'amour. Je suis pas fan des films d'histoire d'amour, quoi, des romances. La mise en scène, j'ai l'impression que il n'a pas tenté grand chose en fait. Autant Roméo plus Juliette, il y avait vraiment un effort de faire un truc très loufoque. Moulin Rouge aussi, c'était très coloré, avec le quartier de Montmartre, vraiment dynamique, qui bouge, vraiment super. Avec Gatsby, on est revenu à une mise en scène un peu plus classique, toujours avec sa photographie, mais il y a des trucs de mise en scène qu'il a tenté de faire. Là, au niveau de la mise en scène, vraiment, en dehors de la photographie, des décors, tout ça, non, moi, il m'a manqué un truc pour que ça donne du groove, quand même. Il y a même certaines scènes que j'ai trouvées assez mal montées, carrément. Après, l'histoire m'intéressait aussi parce que en cours, je suis en euro-anglais et on parle beaucoup de la Rabbit Proof Fence. Je ne saurais pas traduire en français, mais c'est une barrière qui a été construite en Australie c'était un prétexte pour empêcher les lapins de venir, mais en fait c'était plutôt une ségrégation entre la civilisation et les aborigènes qui ont été martyrisés par les colons. Le film en parle un petit peu, on va dire que les aborigènes dans ce film s'en sortent plutôt pas mal parce qu'ils sont sous la protection de blancs. Même si c'est vrai qu'on sent une espèce de racisme, souvent, ça on le voit principalement au début du film. Mais c'est pas trop ça finalement, c'est plus une romance en fait. Ça m'a pas intéressé. Hugh Jackman m'a un peu agacé dans ce film, surtout c'était les voix françaises parce que je l'ai vu en VF malheureusement. J'ai pas trop aimé. Ni Hugh Jackman, ni vraiment Nicole Kidman. J'ai bien aimé par contre tout le petit enfant avec par rapport à un chef qui fait de la magie, tout ça, j'ai bien aimé ça. Plutôt au niveau du côté féerique des aborigènes. Non, le film m'a manqué un truc pour l'instant, c'est vraiment pas fameux ce que j'ai vu ce mois-ci en début. Qu'est-ce que j'aurais comme bon point pour lui? La musique, les musiques avec des chants d'enfants aborigènes, ça j'ai bien aimé, c'était assez sympathique. Et puis la photographie, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, si vous voulez découvrir Baz Luhrmann, regardez plutôt Moulin Rouge. Roméo plus Juliette, qui est un petit peu dur, mais après réflexion, c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé ce qu'il en a fait. Et Gatsby magnifique aussi qui est pas mal. Mais celui-là c'est vraiment un dernier recours, moi j'ai pas trop aimé. Et puis le film est très long aussi. Il y a beaucoup de longueur et j'ai eu du mal à finir. Ce mois-ci j'ai vu American Pie 2. Voilà, c'était un jour où j'étais pas très bien. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête avec un film complexe et tout ce qu'on veut. J'ai regardé ça, c'était juste rafraîchissant, quoi. Ça m'a vraiment fait rire. C'est de l'humour débile, hein, mais voilà, je pourrais pas dire que ce film est un chef-d'œuvre parce que c'est. Voilà. Mais voilà, plutôt que de regarder plus tard, je vais reparler d'une comédie, plus tard une comédie française, plutôt que de regarder ces comédies françaises. Je préfère regarder des comédies américaines bien grasses et bien connes qui me font rire au moins. Et voilà, j'aurais pas plus à dire. Ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages, toujours dans du grand n'importe quoi. Quand je regarde une comédie et que je rigole pas, là c'est pas du tout le cas. On rigole vraiment quasiment tout le temps et moi ça me fait rire. Et je sais que beaucoup de gens
quand on est quelqu'un de normal, enfin, normal, ce film fera rire, mais on pourra jamais dire que c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est... Donc, voilà, y a rien dans le film, il y a juste des blagues nulles, et c'est mon humour, quoi. Ce mois-ci, j'ai vu Sin City 2, J'ai tué pour elle. Le dernier Robert Rodriguez, si je ne me trompe pas, ou alors il a fait Machete Kill après, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que j'avais pensé de Sin City 1 ? Faudrait que je le revoie, parce que je l'ai vu il y a un moment quand même. J'appréciais plutôt le délire au début, la photographie, tout ça, l'esthétique, j'adore. Mais dans mes souvenirs, j'ai été déçu parce qu'il y a des trucs que j'ai pas compris finalement. Je trouvais que les histoires ne se reliaient pas finalement et que ça n'avait plus de sens, n'avait pas de sens. Que c'était peut-être juste un copier-coller du comics et du coup qui n'a pas vraiment de sens au cinéma, je sais pas. Cela étant, Sin City 2, que du coup bah, je l'ai en DVD, je l'ai eu pour mon anniversaire, j'ai pas le 1 mais j'ai le 2, donc c'est pas grave. Franchement je l'ai bien kiffé, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je revoie Sin City 1, parce que les gens ont quand même l'air de plus aimer le 1 que le 2. C'est vrai que l'histoire par rapport au 1, l'histoire du 1 était vraiment très emmêlée, mais ça faisait peut-être partie de l'univers, et c'est justement ce que je trouvais en fait, c'est qu'il y avait 3-4 histoires qui s'entremêlaient, et qui ne se rejoignaient jamais en fait. On était toujours dans le même univers, on rencontrait des personnages. Là, on a une histoire qui est beaucoup plus compacte et qui est... Enfin voilà, on suit une histoire et pas plusieurs histoires un peu entremêlées, tout ça. Alors je sais pas en fait, je comprends pas en fait où va la série. Je sais pas, j'ai vu que Sin City c'était une quinzaine de comics. J'ai vu que le 1 c'était vraiment le comics 1 et le 2 c'est le comics 2. Donc qu'est-ce qu'ils comptent faire? Est-ce qu'ils comptent faire les 15 films et est-ce que ça se subit? Comme je l'ai vu il y a longtemps, j'arrivais pas à me souvenir, donc dites-moi dans les commentaires que je comprenne un petit peu mieux cet univers. Cela étant, j'ai vraiment pris mon pied devant Sin City 2. Le visuel était super cool, encore une fois, moi j'apprécie beaucoup. Ça faisait même encore plus comics que le 1, j'ai trouvé, parce qu'on sent quand même que Sin City 2 a un beaucoup plus petit budget que le 1. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais j'ai vu le bonus avec le making-of. Et ça fait vraiment cheap, mais du coup ça se rapporte, ça fait vraiment, ça se rapproche vraiment mieux du côté comics, et j'ai bien aimé, ça se trouve je me trompe totalement, et les deux sont vraiment pareils, il faudrait que je revoie, hein, comme je vous le dis. Mais voilà, le côté visuel toujours cool, au niveau du dégueulasse on en a, on est content, on est à Sin City quand on veut du vice, et on en a. Après il y a des acteurs qui ont changé au cours du temps, enfin dans les deux épisodes, donc c'est assez bizarre. J'étais déçu de ne pas retrouver Bruce Willis, mais il me semble qu'il mourait dans le premier. En fait le film est quand même très... J'arrive pas à comprendre, parce qu'en fait le film fait très one shot en fait. Il n'y a quasiment aucun lien avec le premier épisode, à part un moment où on nous montre des extraits du premier. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre la chronologie, enfin je sais que dans la chronologie ça suit, et j'ai du mal à comprendre les liens entre les films, tout ça. Mais moi j'ai vraiment pris mon pied devant, la mise en scène de Robert Rodriguez, superbe, avec des scènes d'action assez cool, les courses poursuites, des exécutions, un arrachage d'œil, toujours avec le petit détail coloré et puis tout le reste en noir et blanc, des mouvements de caméra assez cool aussi. Enfin voilà, vraiment le film, j'ai pris mon pied devant, c'est Sin City. C'est Sin City, c'est Robert Rodriguez, donc faut pas s'attendre à un film ultra avec des personnages ultra travaillés, tout ça, mais si, c'est, ça rentre dans l'univers, donc après c'est quand même travaillé. Enfin, j'ai rien de plus à dire, Sin City 2, j'ai adoré, donc pour ceux qui connaissent pas l'univers, découvrez Sin City.
C'est cool, c'est vraiment cool.